Au fait, ça te dit toujours de faire un trip à vélo ou pas? Ouais, pourquoi pas? Mais du coup, tu voudrais le faire quand? Ben, y a moyen de... Je pense qu'il y a un bon créneau à prendre vendredi, en fait. D'accord, mais t'es au courant que vendredi, c'est dans 2 jours? Ouais, mais ça va le faire, non? Ok. Allez. Voilà, c'est à peu près comme ça que c'est décidé notre départ. À bicyclette. Ouais, je pense que je devrais tenir le coup après. Bon, j'ai un peu craqué, j'avoue. J'ai envie de goûter les galettes aux éclats de caramel. Et là, on a pris le caramel Pinot parce qu'Alexandre voulait goûter, n'est-ce pas? Hello, bon, nuit sympa, on a fini avec les blousons dans les duvets. Je sais pas combien il a fait de degrés cette nuit, mais c'était moyen. On a commencé, on avait trop chaud, et là, on a vraiment trop froid. Bon, ils annoncent du surf ce matin, mais c'est un peu compliqué de se motiver. Et bon, voilà, nuit 5 étoiles, quoi. Moi j'en ai un petit peu marre, il fait froid, il y a toujours du vent. On n'arrête pas de faire du vélo. En plus, il y a des sangliers la nuit. Alors Alex, qu'est-ce qui se passe? Bah Cindy rame depuis la montée du pont. Ah hein, Cindy, tu rames non? Effectivement, j'en chie un peu, ouais. Eh ben, crevé sur le pont et le truc c'est que je crois qu'elle est vraiment morte. Elle est en train de sortir d'ailleurs de la joie. Première petite galère mécanique.
shouting and pushing and saying. Ça y est, on va entamer notre première matinée sous la pluie. Et hier, on s'est fait une petite après-midi vélo sympathique. On a fini à 8h le soir. Tout ça parce qu'on n'est pas très intelligent. Et en vélo, il faut savoir une chose, c'est que le soir, il vaut mieux se poser quand tu as pris ta première option et pas continuer en te disant « mais on va trouver un coin super sympa ». Mais là, à 8h, on n'avait rien trouvé encore. Et on a bien cru qu'on allait perdre une partie de l'équipe. Cindy, du genre toi, quoi. Ça va ? Non, pas, c'est toi qu'on a fait ça. C'est facile de remettre la faute sur les chiens. Non. Elle était perdue au fond du trou. Bref. Donc, on arrive à 8h et on se retrouve en plein milieu de... Enfin, au centre de Rochefort, quoi. À la cool. Et donc, au final, on a presque eu de la chance parce qu'on s'est trouvé un bout de terrain derrière des camping-cars. Bon, un truc un peu merdique, mais voilà. Mais au moins, on a réussi à dormir à peu près tranquille. Ça va, Cindy ? Ça va, je fais la vaisselle, quoi. Demain, pour changer, on fait un peu de vélo. Encore du vélo. On met le chien à la fenêtre. On fait des courses. Quoi, Alexandre, du gingembre ? Allez, gingembre. Allez, aïe. On visite presque un phare. On filme en bateau. On partage les provisions avec les locaux. On hésite.
et on fait du vélo. On craque. On fait du vélo. Et puis finalement, j'ai ma petite session surprise. Et puis le vent est tombé. Et c'est là qu'on a fait du vélo. Des selfies. On a fait le tour du propriétaire. Et puis l'île de Ré a voulu nous offrir une dernière station. Et c'est là qu'on est parti. Enfin, presque. Cindy, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'est pas ma roue, je crois. C'est ta roue? Non, c'est pas à moi. Troisième fois. Merci. De rien. Juste au moment de partir, le pont, il est là-bas. Elle a pris peur, elle a crevé. C'est ça. Petite crevaison de Cindy, tranquille, histoire de se mettre bien. C'est la troisième du coup. Oh merde, j'ai failli en fait. Et là on va la doubler, on va lui demander ses impressions. En direct. Alors oui, c'était quel sujet? Izzy, de bon matin là. Quoi? T'es contente de faire un petit tour sur le pont là comme ça? Ah, je suis super heureuse là, c'est... Bon ben bouge ton cul alors. Après presque 15 jours et 500 km dans les pattes, il nous restait quand même encore une centaine de kilomètres devant nous. Mais ça y est, on l'a fait. On est plutôt content de l'aventure, même si on a clairement fait de grosses erreurs. Ce qui nous a pris du temps, fait rater des sessions, mais dans l'ensemble, on est vraiment content. On a vraiment hâte de repartir sur un trip vélo comme ça. Prendre plus de temps, profiter au maximum. C'est pas la façon la plus facile de voyager, clairement. Surtout avec tout ce matos, mais dès le premier jour, on a vu l'aventure différemment et ça nous a permis de nous évader.